6-9, Nicolas Raffal. Il est 7h40, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio J. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Nicolas. Charles Rodouel est votre invité, député Renaissance des Yvelines, mais ce sera dans 5 minutes. Nina Zoulet est avec nous à 7h40. Oui. Bonjour Nicolas. How do you do? Très bien. Ouais, I do. Non, ça va, merci. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Très bien, je sais pas. Oui. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Moi, j'ai des trucs à vous dire. Hier, c'était la fête des filles chez les juifs tunisiens. En vrai, voilà, c'est quand même les Tunisiens qui ont le plus d'avantages. Je veux pas créer la polémique parce qu'on a besoin d'être soudés en ce moment. Et je dis pas ça parce que je suis tunisienne. Mais on a quand même le droit de manger du riz à Pessar. Et ça, je vais vous dire, ça sauve des vies. Je le dis quand même, les Tunisiens sont les plus avantagés. Alors attention, hier c'était la fête des filles, à ne pas confondre avec Roch Hodesh Tevet qui était dimanche. Ça c'était la fête des jeunes filles célibataires. Dimanche c'était la fête des jeunes filles célibataires et là, je me suis mis une race. Là, chaque année la fête est plus grande. D'ailleurs, faudrait inventer un mot encore plus fort que célibataire. Parce que le mot célibataire, ça sous-entend qu'on est seul mais bon, entre deux petites histoires d'amour quoi, donc ça va. Mais quand t'es seul depuis des siècles, hein, avant même que Hanouka existe, il faut un mot plus fort que célibataire. Il faut un mot genre survivante. Je trouve que ça correspond mieux à la détresse et à la force des gens seuls. Voilà, je trouve. Donc il ne faut pas confondre la fête des jeunes filles célibataires avec la fête des filles, qui, elles, célèbrent toutes les filles. Voilà, les petites, les grandes, les célibataires, les mariées. C'est la journée body positive, à la version tunisienne. Donc, vu ce qu'on bouffe, il n'y a aucun corps qui est positif. Mais on était avant-gardiste sur l'acceptation de toutes les femmes quand même. Voilà, je tiens à le dire. Et donc, il paraît que Hanouka, c'est la période la plus propice de l'année pour demander dans le ciel un bon époux pour nos filles. Voilà, Dixit, tonton Roland. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué de trouver un mec aujourd'hui. Déjà parce qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire à personne. Ça, je l'ai remarqué avec les années. Et puis vous aurez remarqué que je suis ce qu'on appelle dans mon jargon finalement une survivante. En fait, c'est dur de trouver l'amour parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un problème. Soit c'est un amour unilatéral, soit c'est un radin. Soit il est parfait, mais genre trop parfait. Moi, quand je vois un mec trop parfait, j'aime pas. J'ai envie de lui mettre des pellicules dans les cheveux, tellement ça m'énerve. Faut quand même que je vous partage une anecdote. Hier, on était en famille pour dîner. Et à un moment, je sais pas, ma cousine, elle avait très soif. Et elle sort une phrase genre « je rêve d'un glaçon ». Tonton Roland lui a répondu « premier degré, c'est pas grave, ma fille, prends un Ashkenaz ». Alors, je vous jure, plus personne n'a prononcé un mot de la soirée après ça. Mais vous savez, je crois que ce qui m'angoisse le plus, c'est même pas de savoir avec qui je vais me marier, c'est de me marier tout court. Parce que peut-être que ça s'entend pas assez à la radio ou dans la vie, mais dans la vie, je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est-à-dire que j'ai une batterie sociale peu autonome, les gens m'épuisent assez rapidement. Et cet été, je voyais plein de stories de gens qui se marient, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais comment font les gens timides et réservés pour se marier? C'est une vraie question, non? Surtout les mariages fush, parce que tu vois, les couples qui arrivent en bombe, acclamés par la foule, ils dansent, ils crient, ils mettent l'ambiance, mais je me dis, quand même, faut pas être timide. Non, en vrai, il faut être bien dans ses baskets pour faire ça. Enfin, ou plutôt dans ses talons de 10 cm, mais. Et après, on te prend en photo, faut sourire, parler aux gens toute la soirée. Et faut pas oublier que c'est ton mariage, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer chez toi quand t'en as marre. Moi, je vais être épuisée à la fin de mon mariage. Je vais partir en voyage de noces, mais seule. J'aurai même plus la force pour le mari. Je vous jure, si je me marie, je vais penser aux gens réservés. Parce qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense. C'est juste qu'on les entend pas, hein. C'est logique. Donc je vais instaurer des moments de pause à mon mariage. Voilà, des moments où personne ne parle, il n'y a pas de musique. Juste, on mange. Voilà. Un mariage à mon image, finalement. Bon, en ce moment, il y a moins de mariages, là. Parce que c'est moins la période, tout simplement. Enfin, si, pardon. Ça reste la période des mariages entre Jason et Kate, qui ne s'étaient pas revus depuis le lycée. Mais en se recroisant à la bibliothèque de quartier, ils ont un coup de foudre immédiat. Ils quittent leur mec, leur meuf respectif, Stacy et Dylan. Ils se sont mariés en une semaine et un mois après, ils ont assisté au mariage de Stacy et Dylan. Parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la saison 2, vous l'avez ? Des téléfilms de Noël. Oui. Attendez, une période censée être joyeuse. Sauf que là, bon, le climat actuel, il est très tendu. Je trouve que même les films de Noël ont du mal à apaiser les cœurs. Bon, ils l'ont d'ailleurs jamais vraiment fait tellement ils sont agaçants, mais c'est pas grave. Alors, si vous voulez apaiser vos cœurs, moi, ce que je vous propose, c'est de venir à mon spectacle ce soir. Voilà. Ah, c'est voilà. Un spectacle d'humour. Donc, au cas où j'aurais pas été assez claire, voilà, c'est de l'humour. Je joue mon spectacle à 19h ce soir au Point Virgule. C'est dans le Marais. Voilà, on fera un petit tas du falafel après. Vous pouvez réserver sur Internet en tapant Nina Azoulay spectacle. Vous savez quoi? J'avais pas encore trouvé de titre à mon spectacle, mais je l'ai trouvé là. C'est Survivante.
Voilà. C'est très bien. Et ben, on passera à l'allumage public place Théodore Herzl juste avant et puis à votre spectacle juste après. Voilà. Méfions-nous tout de même du mariage. L'alliance ne protège qu'un seul doigt, disait l'auteur. Pas mal. Christophe Barbier est avec